11 décembre 2022. Cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Il y a quelques semaines de cela, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. À ce jour donc, nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Sur ce, j'appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement, à revoir nos valeurs, parce que cette bataille pour l'indépendance totale passe par la guerre que nous menons, par les armes, mais je le disais tantôt, par l'économie également. Cette bataille du côté économique passe forcément par la lutte contre la corruption. Cette lutte également est enclenchée. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie.